Enlèvement, centre de détention secret, torture. Près de 10 ans après les attentats du 11 septembre et le début de la lutte contre le terrorisme, on en sait un peu plus sur les pratiques des services secrets occidentaux. L'Europe n'est pas épargnée. Après plusieurs années d'enquête, Manfred Novak a présenté aux eurodéputés le rapport qu'il a rédigé pour les Nations Unies sur le sujet. The illegal black sites of the CIA in Europe, they have been in the early years, 2002 until 2005, in Poland, Romania and Lithuania, and they are now closed. As soon as it became public, the detainees were moved to other places in Jordan, etc., and to Guantanamo Bay. Pour ce dernier, aucune enquête sérieuse n'a été lancée en Roumanie. En Lituanie, les enquêteurs viennent de clore le dossier sans grand résultat. Seule la Pologne semblerait vouloir faire la lumière sur ce qu'il s'est passé. The EU member states have not cleared their own house. So how can we preach to other countries against torture if European Union member states have been complicit to such actions themselves? Encore aujourd'hui, de nouvelles informations remontent jusqu'aux eurodéputés. Pourtant, en 2007, le Parlement européen avait déjà émis un rapport détaillé sur la détention illégale de prisonniers. Nous avons parlé de le centre de détention en Lituanie. Quand nous avons approuvé ici, dans le Parlement européen, le rapport en 2007, aucune information n'était retenue sur la Lituanie. Alors, il y a des nouvelles. D'autres pays européens ont aussi été pointés du doigt, comme la Suède ou l'Italie. Les eurodéputés veulent peser de leur poids sur les États concernés pour que la vérité éclate enfin.